juste avec le titre éviter les naufrages, éviter les naufrages, ce sera aussi la mission du Cameroun dans cette seconde période du match Cameroun-Guinée-Bissau. Olivier Pont, Christophe Jousset, Joseph Antoine Bell. Oui, ça va reprendre puisque les deux équipes sont en train de revenir sur le terrain. Alors, on aperçoit tout de suite un premier changement, c'est la sortie de Clinton Gier et l'entrée de Karl Toko Ekambi. C'est un changement de la mi-temps, donc pourquoi, je ne sais pas, Gier, dans mes souvenirs, n'avait pas été touché. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, messieurs? Non, absolument pas. Non, c'est juste un choix de l'entraîneur. Tout à l'heure, un journaliste supporter camerounais m'annonçait que Bros, il le connaissait bien, que Bros allait certainement sortir, allait sortir Clinton Gier pour faire entrer Toko Ekambi. Moi, les entraîneurs me surprennent toujours au passé. Ils se comportent comme s'ils ne connaissaient pas leur joueur. Vous n'avez pas besoin de faire jouer Clinton Gier une mi-temps pour vous apercevoir que vous avez plutôt besoin de Toko Ekambi. C'est reparti depuis 25 secondes dans cette deuxième période.